Welcome les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft en compagnie du Captain. Salut Captain, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Super la forme. Donc aujourd'hui on va tout simplement créer une usine de Star Wars, tout simplement. On va créer des objets extraordinaires comme par exemple sabre laser, arbalète et pas mal d'autres choses. Peut-être sûrement C3PO, R2D2, mini Yoda et tout ce que vous voulez. Donc vraiment ça va être super fun et le but consiste tout simplement à finir le plus rapidement cette usine. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Et comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 10 000 ou 15 000 abonnés, je ne sais pas. Et tout simplement aussi, n'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo. Et moi je vous dis, let's go, c'est parti! C'est parti les amis, bienvenue dans Minecraft en compagnie de Neoflix. Et aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre les amis, nous allons tout simplement ouvrir les amis une usine Star Wars dans Minecraft. Et ouais, le premier qui termine la construction de son usine a gagné. Du coup c'est parti, bon. Compte à rebours, attention, trois, t'es prêt, 2, 1, let's go. Let's go. C'est bon, c'est activé. Donc là, les amis, okay, on commence à fabriquer, vous voyez, des pioches galactiques. Voilà, les pioches de Star Wars. Oh, c'est trop bien, c'est trop stylé, j'adore. Et regardez, à chaque fois que la pioche arrive ici, on gagne de l'argent. Avec l'argent, les amis, on peut améliorer. Voilà, notre usine. L'objectif, c'est le premier à terminer la construction. Allez, c'est parti. Je vais te tuer, mon jeune Padawan. Oh, c'est R2D2 à la suite après. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, R2D2. Alors, c'est parti. Let's go. Ok, yeah, parfait. Pourquoi t'as pas. Pourquoi t'as un truc genre impair? Je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi c'est impair? Allez, c'est parti les potes. C'est parti, okay, pour les chasseurs-tis. Oh là là, R2, ils sont magnifiques. Oh, on nous attaque. On nous attaque. Ah, t'as des R2? Attends, on n'a pas la même chose. Ouais, ouais. Moi j'ai des Stormtroopers. Ah, c'est marrant. Ah, c'est trop bien. Ok, allez, allez. Allez, 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 allez. Non, il m'a piqué toute ma... Ouais, fais gaffe, fais gaffe. Oh non, je suis passé sur le truc et ça me l'a pas amélioré. De quoi? Oh, je suis passé sur le R2D2 et ça me l'a pas donné. What ah the ouais fuck. Mais ouais. Bizarre. Oh chelou. T'étais pas oh l'argent. Non. Mais si si, j'avais l'argent. Oh non, j'ai pris du retard. Oh non. Oh ça va, ça prend pas grand chose. Hein. Alors, c'est 2500. Oh, ça prend le laser rouge. Oh mais c'est trop bien, on a pas la même chose en fait. Ouais. Je vous le dis, il joue la lance rebelle. Du coup moi j'ai... Attends, t'as quoi au début? T'avais la pioche ou pas? Moi j'avais la pioche, R2D2, ouais, et après j'avais... là j'ai le sabre laser vert. Alors moi j'ai un chasseur-T, enfin après la pioche, et là j'ai un sabre laser rouge que je peux acheter. Oh, ah, c'est stylé. Cool. Oh, c'est classe, on a pas la même chose, c'est trop bien, c'est la première fois. C'est trop bien. Okay, oh, ça a explosé au-dessus de toi, regarde, ça explose. Ouais, je sais pas, c'est buggé depuis le début, je sais pas, c'est stylé. Et regarde, il y a l'étoile noire là-bas. Ok, let's go. Ah, tu veux l'attaquer? Mais attends, mais c'est ton pote en fait. C'est pas grave. Attends, on peut attaquer nos propres troupes? Oui. Pourquoi pas? Okay, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti, les amis, on va acheter le sabre laser rouge. Alors, tu penses que le sabre laser c'est dans le tapis? Ouais, non, faut qu'on achète nos propres armes. Ah, mais je me suis fait voler de l'argent. Oh non, j'y crois pas. Faut pas quitter la base, hein. Faut pas quitter la base. Ah mince. Oh, allez, non, c'est mon sabre laser rouge. Regardez les potes. Oh, c'est stylé. C'est le sabre de Kylo Ren. Ah ouais? Oh! Avec la garde. C'est classe. Prochain achat, le Wookie. Oh mec, je peux acheter l'arbalète Wookie après de Chewbacca. Moi, c'est trop bien parce que j'ai les petits R2D2, ils sont trop mignons. Bah, j'ai bien envie d'aller voir ta base, mais ils piquent de l'argent. T'es genre, bah, bien, ils sont pas là pour l'instant, viens. Viens. Ouais, vas-y, vas-y. Fais voir un peu ce que t'as, toi. Alors. Genre R2D2. Du côté de l'Alliance Rebelle. Et attends, je vais te montrer le sabre laser dès que je vais arriver au 2500. Ok, attends, mais je repasse. Parce que là, attends, ça spawn, fais gaffe. Je sais pas si j'aurai le temps de protéger le tapis. Mais c'est les Stormtroopers qui m'attaquent en fin de compte. Pourquoi c'est les unités, mes unités qui m'attaquent? Mais non, t'es l'Alliance Rebelle. Ah oui, c'est vrai, je suis l'Alliance Rebelle. Bah oui, je suis bête. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ok. Je pense que je vais acheter des murs hein, pour pas qu'ils me piquent d'argent. Mec, tu l'es, ça rapporte un max de thunes. Regarde ma thune. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait aussi, mais ça m'a pas. J'ai pas eu l'impression que ça m'avait rapporté. 7000. Ah bon? Moi ça me rapporte de la thune quand je tue les rebelles. Ah ouais? Bon bah. Ouais. Bien pour toi, alors, pas pour 25 moi. 25000 le prochain achat, let's go, on est à 8000 pour l'instant, ça se passe. En tout cas, très belle Star Wars. Double. Vous avez déjà vu la mort qui utilise. Ouais, vraiment trop stylé. Vraiment hyper bien fait. Et franchement, les potes, vu qu'on est des énormes fans de Star Wars, franchement ça nous fait plaisir, c'est pas mal. On peut vous le dire. Ok. 10000. Oh là là, t'as 4000 d'avance, j'y crois pas.
Après, ouais, c'est vraiment quand je tue les rebelles, je te dis, hein. Tu les Stormtroopers, je sais pas, ça donne pas d'argent. Ouais, mais non, mais c'est. Il est un rebelle! Comme je t'ai dit, je suis pas passé sur le. Sur le. Sur la plaque, je sais pas pourquoi ça m'a pas. Vraiment, pas mal de coups pour les. Non! Il m'a encore piqué de l'argent, mais il a spawn où? Non, mais fais gaffe, en fait, tu sais ce que tu dois faire? Reste sur ta plaque. Moi, c'est ce que je fais, je défends la plaque en fait. Oh là là, mais j'ai. Allez, allez, allez. Ok, c'est bon, lui il bouge plus. Ah! J'ai tué ou pas? Ouais, je crois que j'ai tué. Ok, voilà. Et tu gagnes pas d'argent en les tuant? C'est bizarre quand même. Hein. Eh oh! Pourquoi est-ce que tu veux tuer les propres rebelles? le mec est un traître! Il tue les rebelles! Eh, t'as une base à protéger, je te signale. Ouais, je sais, mais toi aussi. Tu sais qu'on régène, on peut pas se. Oui, je sais, je sais. Oh, c'est dommage. Ils ont prévu le coup. Oh. Alors, 17 000. Ah, écoute, moi j'économise pour l'arbalète Wookie. C'est quoi ton prochain truc après ça? L'arbalète Wookie aussi. Ok, donc on a à chaque fois des trucs en commun. Ouais, je pense que c'est tous les trois items qu'on a. Stormtrooper, ça en... spawn. Ok. Ok. Par contre, c'est bizarre, les rebelles ils ont des sabres laser. Ça n'a aucun sens. Non, il m'a piqué toute ma thune. Ouais, attends, ouais, ok, il vole de la thune, ok. Il m'a tout volé. Ça fait la troisième fois, j'en ai marre. Et on gagne un peu d'argent quand on les tue, mais pas beaucoup. Okay. Ils t'ont piqué de l'argent? Il y en a un, ouais, l'autre je l'ai tué. Mais ça va, parce qu'en vrai ils donnent de l'argent, donc ça va en vrai. Ouais, mais c'est pas autant que ce que t'aurais peut-être pu gagner, tu vois. Après c'est difficile parce qu'en fait il peut même passer. En fait il est pas. Enfin j'ai remarqué il peut voler de l'argent même par l'arrière du bloc en fait. Oui, 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 j'ai remarqué. En fait moi je protégeais le devant, je protégeais la plaque de pression, mais en fait ils peuvent quand même voler l'argent. Donc je pense qu'il faut acheter les murs à 1000 là, mais après ouais j'ai peut-être acheté les murs en vrai. Moi ça me tente hein, d'acheter avant l'amélioration. Moi je vais acheter l'amélioration d'abord quand même parce que c'est important. Voilà. Ok c'est bon, alors voyons voir la balette Wookie de Chewbacca. Ok ça spawn, je vais acheter les murs. Ouais ouais ouais. Bah ça spawn que de ton côté. Non 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 ça spawn en même temps. Tu dois avoir tes 100% tu dois avoir des Stormtroopers. Allez. Allez allez. Non mais non okay, j'y crois pas. On les tue hein, c'est bon. Nice. Bah ça rapporte pas beaucoup réussi. D'argent. Attends je vais te dire comment ça rapporte exactement. Attends je suis à 709. J'en tuais un. Je vais te dire comment ça rapporte. Ça rapporte. Allez 200. Ah oui 200. Ça rapporte 200. Ok. Allez c'est parti les potes, voyons voir combien d'argent nous attend. 17 000, ah là c'est pas mal là. Alors, ah ouais, on peut acheter des fenêtres pour 2500. Est-ce que j'achète les fenêtres les gars? Peut-être économiser pour le dropper là-bas hein. Ok. Ah mais non, ok. Je vois quel genre de map c'est. De quoi? Je peux acheter l'étage pour débloquer le prochain tapis. Ah bon, je te le dis, je suis sympa, je peux acheter pas, je vais te le dire après, bon voilà. Donc il faut acheter les murs et tout là. Voilà c'est ça, et après tu débloques l'escalier. Il n'y a que l'escalier. D'accord. Tu accèdes au prochain dropper. Ok. Je vais acheter les escaliers. Bon, c'est bon, j'ai l'étage. Ouais, mais moi, t'inquiète, c'est protégé un peu. Oh, nice. Mais qui le rapporte plus? Quand j'ai amélioré la base, ça veut dire qu'il y a plus d'argent. Moi, j'aime avoir une nouvelle arme. Franchement, j'aime avoir une nouvelle arme. Ok. Comment ça rapporte? Attends, on va voir comment ça rapporte. Allez, allez. Bon, une nouvelle arme, ce serait pas mal, hein. Rapportait, je vais regarder là. Ça rapporte 200. Il y a marqué que ça rapportait plus, mais ça rapporte pas plus en fait. Ok, l'argent est ici. Alors, on a débloqué l'étage. On va voir combien ça coûte le tapis là-bas. Il coûte 50 000. 50 000 le tapis, ok. Ouais, ça peut être pas mal. On peut améliorer le tapis. T'as vu, ta base est noire et la mienne elle est en sable ou en je sais pas quoi. C'est gris, moi plutôt. Gris, oui, excuse-moi, gris. Et toi, c'est sable, ouais, c'est beige quoi. Gris ouais. Beige. Alors. Bien stylé. T'as acheté ton escalier aussi, ok. Ça ouais, va. J'ai acheté l'escalier. J'ai acheté une amélioration également de tapis, je sais pas si t'es super fort. Si. Bon. Allez, allez. Ok. Allez, c'est parti. 50 000. On va acheter le dropper, les amis, au premier étage. Okay, ça, c'est cool. Ah oui, t'as déjà 50 000. C'est quoi ouais. Ça c'est quoi c'est... Ah, c'est un lance-roquette. Ok. C'est pas le truc le plus Star Wars du monde, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Let's go, la monnaie qui arrive ici. D'ailleurs, les amis, prochaine amélioration.
Ok, merci du coup de main. 150 000. Ah, le droïde, je peux acheter un droïde pour 150 000. Alors, je sais pas quel droïde c'est par contre. Il y aura juste marqué droïde. On sait pas si c'est C3PO, R2D2, on n'en sait rien du tout. Ou BB-8. Ok. Enfin, BB-8 en français. Ok. Ah, ça spawn. Ouais, ça spawn. Pourquoi je te le dis? Bah, je te le dis aussi, ça va. C'est bon. Ah bah. En vrai, ils avaient pas ouvert la porte. J'aurais dû les laisser dehors. Ok. Yeah. C'est bon. Ok. Alors, ouais, 68 000. Est-ce qu'on améliore la vitesse des droppers? Des fois, c'est plus intéressant d'améliorer les droppers. Je sais pas, hein, j'avoue. Bah, pour te dire, c'est ce que j'ai amélioré, ça marche pas, hein. Je t'ai pas rattrapé, hein. J'ai toujours le même retard, même en fait, c'est plus. Ça, dans le jeu, en fait, c'est pas fort d'améliorer la vitesse, c'est plus fort d'améliorer les droppers en eux-mêmes, en fait. Bah écoutez, on va économiser de l'argent, j'aimerais avoir une nouvelle arme, le garde, il coûte 75 000. Je sais pas si on va acheter un garde, ça coûte cher, encore 75 000, hein, par rapport à ce qu'on gagne. Ok. Alors, regardez, il campe devant, mais il peut pas passer, c'est bon. C'est bien. Oh si, ils peuvent pas passer. Si, ils passent. Non, ils passent pas. Les Stormtroopers sont plus malins. Non, il m'a tout piqué. Allez, le droïde. C'est quoi comme droïde? Allez, c'est parti. C'est R2-D2. C'est R2-D2. Ok. C'est pas si je gagne. Bon, j'ai des R2. Ok, bah moi j'ai toujours pas amélioré. Hein. Alors ça rapporte combien R2? Voyons voir. Oh ouais. Ça va, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on améliore la vitesse des droppers? Voyons comment ça coûte l'amélioration, les amis. On va voir un petit peu. Alors. 500 000 pour le sabre laser vert. 500 000. Ok. On peut améliorer les droppers, les gars. Pour 500 000, franchement, on a le temps d'y arriver. On peut améliorer ça. Là, ça peut être pas mal. Ok, donc c'est amélioré, c'est parti. Et les rebelles là. Eh hey, mais ils ouvrent la porte! Bah oui, il y a une plaque de pression. Ah mais non, c'est pas juste. C'est fait exprès, ça serait trop simple. Ok. Non! Vous y arriverez pas! Non! Il a réussi! J'ai le seum. Allez, je vais tuer les rebelles. Oh, j'ai eu le corps de C3PO. Juste l'armure de C3PO. Ah, moi j'ai l'air de D2. Ok, après j'ai le sabre laser vert. Logiquement, t'as peut-être le sabre laser rouge. Peut-être, ouais. Ok. Bon, ça se passe, hein. Ça se passe. Ouais, t'as beaucoup d'avance. T'as 300 000, j'ai 100 000. Et comment ça s'est joué, ça? Je sais pas. Mais c'est ma plaque, là, au tout début, là. J'ai merdé, et puis, bah, voilà. Ça te l'a pas donné, c'est ça? Bah non, ça me l'a. Je suis passé dessus, ça me l'a pas donné, je sais pas pourquoi. Et après, j'ai entendu. Oui, oui, juste après, mais genre 30 secondes après, donc c'était avec... mort. Mais t'avais l'argent? Ouais, j'avais l'argent. Allez, c'est bon. Alors, hop. Je tue les rebelles comme ça. Ça fait le ménage. T'as fait les upgrades de droppers et tout? Ouais. Et d'accord. J'ai acheté parce que la prochaine amélioration c'est 500 000 alors j'avais le temps d'acheter le reste quoi. Ok, je comprends. Ok, je vais l'acheter, sabre laser vert, c'est parti les potes, c'est acheté, let's go. Alors. Ok, stylé. Donc, ça j'ai peut vraiment être un de... très gros retard comparé à toi. En vrai ça peut être le sabre laser de Luke dans le 6 ou celui de Qui-Gon dans le 1. Le sabre laser vert? Ouais. Non, c'est celui de Yoda. Hein. Tu penses? Ah oui, sûr et certain. Sûr et certain. Moi confiance, sûr et certain. Je connais trop bien mon registre. Après les sabres laser, tu les reconnais facilement. Genre celui d'Anakin, ouais. je vois lequel c'est. Ok, ouais, c'est peut-être celui de Yoda en effet. C'est même sûr. Ok. Alors, 500 000 de monnaie. Est-ce qu'on achèterait pas 1 million pour le bâton électrique? D'accord. Tac. Allez, c'est parti. On va le tuer.
serait bien qu'on ait des nouvelles armes quand même. Un sabre laser par exemple, c'est pas mal comme arme. Ça c'est good. On arrive à 1 million. Ok, c'est pas mal. On arrive à 1 million tranquillement les amis, on va acheter l'amélioration là-haut. Déjà on va tuer le rebelle peut-être. Ah ouais, c'est... Allez, on va tuer le rebelle. Ok, c'est bon. On va prendre l'argent qui est là et on va acheter directement les... Il y a un autre étage, tu penses ou pas? Ouais, il y a toujours 3 étages. Enfin, 3 étages au total. Là, il y a un deuxième étage. Ok, bâton électrique, c'est bon. Ça ressemble à quoi? Ah bah c'est l'arme qu'on a en fait. C'est exactement l'arme qu'on a. 25 000. Voilà pour ça. Ok, on a maintenant un balcon. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a pas besoin de pas acheter des armes. Je sais pas. Il y a peut-être besoin de pas acheter des armes quand même. Ok, je vais prendre l'argent qui est là. 1 million quasiment. On va acheter un garde. On va acheter un garde. Ah, tu peux acheter un garde? Ouais, il y a un panneau garde. Ah oui, là-bas. Oui, je le vois. Okay. 15 000. C'est dommage qu'on puisse pas acheter des nouvelles armes, franchement. Ouais, bon, bah tant pis, hein. Alors, on va voir les prochaines améliorations, les amis. Les trucs coûtent assez cher. Les escaliers, c'est 500 000. Là, on a l'amélioration ici. Oh là là, le retard que j'ai comparé à toi. Ok, la vitesse du tapis, puis la vitesse des trucs. Ok, bon, on va acheter ça. On va également acheter les escaliers, voir comment ça coûte là-haut. Oh bah là, c'est bon, tu m'as terminé. Hein. Mais non. Ok. Ah, c'est 10 millions là-bas. Ah ouais, ça coûte cher là-haut. Ça coûte assez cher là-haut. Alors. Tac. Nous allons acheter tranquillement la vitesse des droppers, pourquoi pas, et 5 millions pour ça. On va peut-être commencer à économiser, hein. C'est pas mal. On a acheté un garde, on va racheter un garde histoire de protéger la base. Si j'ai assez, ou toi? Ok, bon, il protège la base, c'est bien, c'est très bien. Ok. Bon, bah objectif 10 millions. On devrait pouvoir y arriver tranquillement. C'est trop bien, j'ai un... Toi, les gardes, c'est un Stormtrooper? Ouais. Ouais, moi, c'est un Jedi. C'est trop bien. Ok, fort. Il y a marqué soldat rebelle. Génial. Bah, il défend bien, hein. Bravo, il m'a fait perdre tout mon argent. Non, moi, ça va, j'en ai acheté deux, ils défendent bien. Mais pourquoi toi, ils arrêtent, ils sont arrêtés par la porte? Alors, l'Empire, moi, ils passent. Oh, mais c'est quand même des Jedi, hein, what? Bah écoute, ils ont peur des Stormtroopers. Ok, 7 millions bientôt. Et j'ai un gros retard comparé à toi. C'est marrant parce que t'as pris 30 secondes à acheter un truc et ça a autant de retard. Ah ouais, ouais. Moi je te dis, dans ce jeu-là, faut jamais améliorer... les tapis. Enfin, faut d'abord améliorer les droppers et après la vitesse des tapis. Ok. On approche des 10 millions. Ok, on va acheter le dropper à 10 millions, c'est parti. Bon, ils vont pouvoir défendre ma base, ils sont 3. Bon. Mais ils en ont laissé passer un! Mais non, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas possible! C'est stylé ça. Je crois que c'est de la monnaie, ça doit être de la monnaie. Ah. Ok. Ah. Parfait. Bah écoute, hein, les Jedi, c'est des Padawan, hein. C'est des Bambi Padawan, hein. Vraiment, ouais. Hein. Ah, ils arrivent pas à défendre, j'en ai 3. C'est pas possible, il faut que j'achète une armée de Jedi ou quoi? On va améliorer la vitesse du tapis là. Là, il faut un peu plus d'argent. Et on a ici, normalement... Alors c'est quoi qu'il faut acheter à 25 millions? Voyons voir, c'est un peu compliqué de côté. C'est un vaisseau, d'accord. Donc toi, ça doit être un X-Wings, moi, ça doit être un chasseur-type. Ah oui. Je pense, hein. Toute logique. Ok, parfait. 9 millions en poche. On va acheter ça. Voilà, ça devrait booster le tout.
va racheter un garde pour le fun. Mais me frappe pas! Mais mes Jedi me tuent! Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Mais c'est pas possible! C'est l'heure 66! Mais oui, mais c'est ça! Non, mais c'est pas possible! J'ai perdu un fric énorme avec eux! Ils défendent zéro la base! C'est une honte! Il attaque même! Mais c'est une honte! Sérieusement! Il attaque! Ah non, ouais. C'est trop drôle! 10 000 et 25 000, ok. Ok. Tac. Redescend. Ah, 2 millions, ah, ça fait. Waouh! De quoi? T'as acheté le vaisseau? J'ai déjà sorti. Ah oui! T'as gagné là du coup? Ouais, je sais pas s'il faut faire un truc en fait. Ah, c'est trop stylé! Attends-moi, j'arrive avec mon vaisseau. Attends. Déjà, il faut les tuer. Et comment on gagne en fait? Peut-être en détruisant l'étoile de la mort. Avec le sorti? Bah ouais. Dans l'Empire, tu laisses que ta propre base? Bah, il y a peut-être une entrée sur l'étoile de la mort. Ah, attends. Ah ah! Même sûr. Par contre, c'est incontrôlable, hein, as always. Attends, moi j'arrive bientôt aux 10 millions, je vais acheter ce qu'il faut. Ok. Je suis aux 10 millions. Alors, bonjour. Ah, regarde le fight de mes Jedi contre les Stormtroopers. Tu vas rigoler. Attends. Mm-hmm. 25 millions les potes, il faut avoir. On va racheter quelques gardes, on va se faire plaisir, voilà. Alors voyons voir, on va prendre un peu d'altitude. Ok, je voulais pas faire ça. Très stylé. Alors vraiment, il y a un hangar en fait. Ah ouais, en fait, il y a un hangar. Il y a un hangar. Alors, parti. Ah ouais, d'accord, mais ce truc là est totalement incontrôlable en fait. Allez prendre l'altitude. Mais comment ça se passe? Il y a une latence de fou. Ouais, vas-y, non. Vas-y, oui. C'est abusé. Ouais. C'est bon, on tire sur l'Alliance Rebelle avec le canon. Let's go. Attends, mais j'ai pas... Comment tu fais pour monter? What? Attends, j'ai détruit ta base? Tu veux voir? What? Génial! On a tiré sur la base! What? T'as détruit ma base! Tu l'as exterminée! Attends! Et tu fais comment pour contrôler ce truc là, bizarre? Ah ouais, du coup t'auras pas ton X-Wings. Bah attends, Pierre, mais attends. Mais si, je l'ai eu. Ah, tu l'as? Il est où ton X-Wings? Oui, mais il est là, il est bloqué, en fin de compte. Ah non, t'as eu un chasse-sortie, t'as pas... Enfin oui, un chasse-sortie. Mais j'arrive pas à le faire monter. Comment je fais pour le faire monter? Espace, c'est trop bizarre. Bah ça marche pas. Si, maintiens espace. Bah c'est ce que je fais, je maintiens espace. Ah bon? Ah, oula, ok, d'accord. Je t'ai dit. En fait, il fallait rentrer dans l'étoile noire. Et il fallait activer la mise à feu en fait. Ah bah voilà, c'est ce que je t'avais dit. En fait, fallait amener le vaisseau là au niveau de l'or là. Et ça active le carbone final.
Bon, et ben voilà les amis, donc j'espère que cette map et cette usine de Star Wars vous aura plu. En tout cas, avec le Capitaine, on a pris un maximum de fun de faire cette map. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Et comme je vous le rappelle, il y a l'objectif 10 000 abonnés ou 15 000. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos messages. Et moi sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.